Salut tout le monde, c'est Las Baroudeur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vraie vidéo YouTube, cette fois-ci je suis pas en stream. Pour une fois, vous allez pas vous taper une rediff avec un peu de montage ou autre, là c'est une vraie vidéo. Déjà j'espère que vous allez bien sur YouTube, c'est Las Baroudeur, tu connais la chanson. Petite vidéo récap sur mon almanach du 18 décembre. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y avait un petit almanach de zinzin. Je vous montre ça tout de suite, donc c'était juste hier. C'était tout simplement les bonus apportés par la challenge réussie sont augmentés de 150% dans tous les donjons. Une dinguerie de fou. Je vous avais dit de poser des percos, je vous avais dit de farmer, je vous avais dit que l'XP et le drop, c'était complètement n'importe quoi. Ici, j'ai une banque à 150, on va aller 140 millions, autant pour moi. Il y a quelques trucs que j'ai pas rajouté, mais en une journée, en quoi? J'ai fait, je crois, 15 heures de stream. Mais tu connais, je mange en stream, je blablate et tout. Je pense que ça équivaut à entre 7 et 8 heures de jeu. Je suis désolé déjà, le chat est en train de jouer. Elle est en train de jouer avec son truc là. Du coup les bruits c'est pas de ma faute, c'est le petit monstre ici là. Du coup voilà, on va dire 7, entre 7 et 10 heures de jeu. 150 millions c'est quand même pas horrible, 140 millions autant pour moi. On s'est régalé. Je vais vous faire un récap de tout ce que j'ai farm. Avant je vous avais dit de poser des percos. Par exemple voilà la petite rentabilité si t'es dans une alliance potable. Un percepteur Tengu, 4,7 millions. Tu connais sur les percos mais la sacoche pods et la sacoche prospection. Allez, on va dire, on enlève les 400 000 d'ici. Allez, un petit 4 millions. 4 millions de percepteurs. Ça fait plaisir. Alors, pour commencer, qu'est-ce que j'ai farmé en tout début? J'ai farmé le Mercator. J'ai même pas fait la salle du boss. J'ai fait que les 4 premières salles. Parce que c'était en anomalie. J'ai commencé à farmer à 6h du mat, les refs. J'ai mis un réveil pour jouer à Dofus. Un réveil pour jouer à Dofus, les refs. La dernière fois que j'ai fait ça... C'était en 2004, quand j'avais 10 piges. 172 millions d'XP. Là, dites-vous que les lignes de drop, premier degré, hein, c'est entre 400 000 et 800 000 Kama par personnage. x2 avec la capture. Une semaine d'abonnement par ligne de drop. Et me dites pas que ça se vend pas, tatati tatata, ça se vend. C'est utile pour les items picoleur, énurée de PM, etc. Ça se vend comme du pain. Juste dingue. Et l'XP, voilà, il n'y a que les nuls qui étaient en XP, les chals en XP. Eux, ils étaient les chals en mode drop pour vraiment avoir le max du drop possible. Donc voilà, petit Mercator, je crois que j'ai fait 4 fois chaque salle. Et j'étais à 2 doigts de crever sur une salle. J'en ai fait une vidéo, elle va apparaître à l'écran quelque part. Mais vraiment, j'étais à ça de crever. Il me restait genre 4, 3 persos, low HP, j'étais vraiment pas bien. Ensuite, j'ai fait un petit Mantiscore. C'était en anomalie, je me suis dit vas-y, pourquoi pas, je teste. 40 millions d'XP sur un donjon level 80-70. Bon voilà, j'avais envie de passer. Je suis passé vite fait dans le donjon. Je lui ai mis une claque. J'ai pris 40 M d'XP. J'ai pris la capture. J'ai pris... Regardez les bidoches. Les bidoches, sur les serveurs classiques, ça coûte pas grand-chose. Mais sur Home, ça peut faire du parchotage. Les bidoches, en gros, c'est la viande liée au métier chasseur. Que tu peux dropper uniquement sur les boss. Et ça sert à faire du parchotage terre. Par exemple, le parchotage terre, c'est fait avec les bidoches. Alchimiste, ça doit être le parchotage intel avec les trucs rares, etc. Et là, en gros, j'ai droppé 7 parchotaires, quoi. Ça doit me faire du parchotage jusqu'à 40, 50 forces. Donc, en vrai, c'est vraiment pas horrible. Il y avait moyen de giga rentabiliser uniquement avec les bidoches. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'était mes sub-goals. On s'en fout. Après, je me suis dit, voilà. J'avais été faire au préalable, avant la manax du 18, j'avais été prendre des sauvegardes dans tous les donjons, style Splinter Cell, Shenmue. Merde, comment il s'appelle? Le Worker, Glour, Coriandre, Colosso. J'avais dû prendre des sauvegardes un peu partout, histoire que le 18 pendant la manax, je me mette bien dès le début. Donc là, un petit Splinter Cell en 6 minutes 15, 4 tours, 400 millions d'XP. Avec deux petits chals, hein. C'est vraiment des petits chals, c'était pas des chals de fou, hein. Et regardez, ça, c'est des bidoches. Ça aussi. Donc là, on se fait 1, 2, 5. On se fait 10 bidoches, 15 bidoches. Parce que du coup, c'est le Splinter Cell. Donc, t'as le Splinter Cell qui est level genre 150. T'as le rat noir, t'as le rat blanc et t'as tous les autres mobs. Donc, en gros, t'as 3 boss. Donc, tu peux avoir 3 fois. Là, tu regardes, là, j'ai eu full bidoche. Donc, 2 bidoches, rat noir, rat blanc. Et une bidoche Splinter Cell. Donc, ça régale, bien sûr. On a capturé les oreilles de Splinter Cell. C'est quoi? C'est 20, 25 000 kamanité. Ça se vend très bien, c'est utile pour des tonnes de craft. Les 400 millions d'XP, j'avoue, ils m'ont choqué. Hein. J'étais choc-barre. Ensuite, un petit coriandre.
D'ailleurs, petit tips, si jamais. Pareil, j'ai oublié de le préciser. Oh, j'étais 131. J'ai commencé l'Almanax. J'étais Oméga 131. On va voir à la fin de la vidéo, je vais être Oméga combien. Ah putain, je pensais que j'étais 137, 138, mais pas du tout. J'étais que 131. Ok, ok. Donc là, petit coriandre. Petit tip, du coup, ils ont remis les succès mystiques sur le coriandre et sur le bétel. Le tchal mystique n'existe plus. On avait eu le tchal mystique des éléments qui s'est fait supprimer. Du coup, le tchal mystique, on avait encore le succès mystique des éléments qui pue la merde. Et là, ils nous ont remis le mystique classique, pas en tchal, mais uniquement en succès pour les deux donjons que je vous ai cités. Je crois qu'il n'y a que le coriandre et le bétel. Du coup, c'est juste pas faire de coup de corps à corps. C'est quand même assez simple. J'espère qu'incessamment sous peu, ils vont nous remettre le vrai tchal mystique. J'espère. 270 millions d'XP, j'ai failli l'unchal comme un débile à un moment donné. Mais t'es un peu parano, parce que sur home, si tu te failles, tu tapes la mérulette à distance, toute ta team est OS. Si par exemple tu la tapes quand t'as plus de PA et plus de PM, bon bah tu te fais OS sur tout le monde, donc c'est pas ouf. U2 Cori, 50 000 kamanité. Ici, 30-40 000 kamanité. Pas de bidoche, petite capture, moi ça régale. Pas grand chose à dire de plus. Le Klim. Donc le donjon Klim est passé en anomalie. Pareil, j'ai essayé de focus le plus les anomalies temporelles pendant la manax, histoire d'avoir full rentabilité, autant en termes de ressources qu'en termes d'XP. Problème, c'est qu'il n'y avait pas de très bonnes anomalies temporelles. Il n'y avait que des vieux donjons ou des zones, sachant que le bonus XP était uniquement sur les donjons. C'était pas super intéressant des zones. Donc pour le donjon Klim, comme pour le Mercator, il me semble que j'ai fait 4 fois les 4 premières salles. Je faisais pas le boss. Tu connais, je commence à faire un peu d'XP et tout. J'ai pas du tout envie de prendre de risques. Tu peux mourir à n'importe quel moment sur Ronde, donc j'ai pris aucun risque. J'ai juste fait les salles. Klim, j'étais pas à deux doigts de mourir. Là, 6 minutes, 5 tours, Tchal Blitz, ne pas soigner, 425 millions d'XP. 6 minutes, 425 millions d'XP. Ouais, c'était pas mal. Je trouve ça plutôt pas mal. Cuir de cuir boule, 50 000 kamanité, utile pour les anotamis et pour d'autres choses. Petite capture, tu connais ça régal. J'ai fait tout le donjon, sachant que t'as une salle... où tu fais genre 250 000 kama par personnage. Bien sûr moins rentable que le Mercator, parce que le Mercator on était au top du top, mais ça reste plus que rentable. Ensuite j'étais faire le Hush. Tu vois là déjà je suis déjà Oméga 159, j'étais Oméga 131 hein. Donc je sais pas combien de milliards d'XP j'ai fait. Je sais pas s'il y a un site, je sais pas si quelqu'un sera chaud dans les commentaires à compter les milliards d'XP que j'ai fait. J'ai commencé level 131, on va voir combien j'ai fini. Donc là un petit plateau de Hush, il était encore que à 70%. Je l'ai fait qu'une fois à 70 et après je l'ai refait à 120%. J'attendais qu'il passe en anomalie. Je mettais quoi, entre 10 et 15 minutes le donjon. Les tchals, on va voir un peu les autres tchals que j'ai pu faire. Et dites-vous qu'en ressources, je me faisais entre 600... Enfin, je me faisais 750 000, 800 000 kama par personnage. Donc presque une semaine d'abo toutes les 10 minutes. Enfin, 8 semaines d'abo toutes les 10 minutes. Donc vraiment, quand je vous dis de venir sur le serveur home, les refs, c'est pas pour troller, c'est pas pour vous dire ouais trop bien ça va rompre. Non non, c'est vraiment une dinguerie. Ouais mon gars, je vois la team Kra, tu kiffes et tout, mais je sais que tu kiffes Holy Energy aussi. J'ai une nouvelle de fou pour toi, tu vas être choc bar. Déjà, voilà ce qu'il faut savoir, qu'est-ce que c'est Holy Energy? Boisson énergisante sans sucre avec des barres de vitamines. Si t'es accro, Monster, Red Bull, Coca, Ice Tea, tout ce que tu veux, n'hésite pas à passer à Holy Energy, c'est un banger. Ça fait 2 ans que j'utilise, ça me fait kiffer de fou. Il y a eu un giga restock, tous les goûts sont disponibles. En plus de ça, il y a 2 nouveaux goûts qui viennent de sortir, qui sont nul autre que baie sauvage, mûre, myrtille, incroyable. Et tu as la spérule, en gros une plante un peu goût vanille et tout. C'est bon, je mettrai un petit ça 7 sur 10 et ça un 10 sur 10 sans problème. Voilà, pareil, si jamais vous kiffez pas les boissons énergisantes, vous avez des iced tea, toujours sans sucre, avec des bonnes vitamines, pommes, thé vert, banger. Mais si t'es pas iced tea et si t'es pas boisson énergisante, il y a des boissons pour le sport. Le Holy Hydratation avec des bons minéraux et des électrolytes. Je sais qu'il y a des mecs qui font du vélo dans ma commu qui achetaient des trucs à Decathlon pour boire pendant qu'ils faisaient le vélo pour éviter des crampes et tout. Bah ça remplace très bien. C'est bien meilleur, c'est bien moins cher et c'est grave bon. Fraise kiwi, valeur sûre. Non voilà, je te le dis. Je te le dis avant que tu me regardes mal. Voilà, c'était Last Barouder, les codes promo. Bien sûr, attends, mais je suis trop bête. J'ai complètement oublié les codes promo, frère. Code Baroudi 5 avec 2 i, moins 5€ sur la commande. Code Baroudi, moins 10%. Fais-toi plaisir, tout est dans la description, tout est dans les commentaires, tout est partout, tout est épinglé. Fais-toi kiffer, fais-moi kiffer, ça fait plaisir. Et les Kamakash aussi, hein. Les Kamakash, on n'en parle pas beaucoup dans les Dungeons Dimensions, mais entre 2000 à 5000 Kamakash par perso, sauf le Krakat qui se fait un peu bolasse,
Donc là, 354 millions d'XP. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Ici, on va revenir sur l'autre donjon. Sur le donjon Hush, vous en faites pas. Là, voilà, j'avais une petite sauvegarde colossale. Le donjon était que à 5%. Mais j'ai tout de même droppé un petit Minowang. En beau gosse, le Minowang. Je suis déjà en skin full Minowang sur tout le monde, mais ça fait toujours plaisir. 252 millions d'XP, double chal premier, les diagonales, 6 minutes 54, 5 tours. Que 4 étoffes de colossaux, 2 bidoches. Ça, c'est des grosses bidoches, ça coûte 100 000 kamanité. Étoffes de colossaux, 100 000 kamanité aussi. Petit Minowang, 700 000, 800 000. C'est de la merde, mais ça fait toujours plaisir. Pour les fameux drops rares qui puent la merde, mais vas-y, on va rien dire. Et là, on retourne au Hush. Vous avez dit, j'attends que l'anomalie arrive, bam. Je commence à aller je commence à aller TP au Glour. Pouf, l'anomalie qui pop. 500 millions d'XP. Là, vu qu'on est en donjon dimension, et que dans tous les cas, grâce à l'anomalie, je suis déjà en full drop, je me suis permis de mettre mes autres persos en chal XP aussi. Bon, il y a une différence d'XP de fou, parce que les nuits, full sagesse, c'est pas eux. Mais comme ça au moins ils ont pris quelques levels Omega aussi, c'est cool. Donc là de nouveau on va dire 800 000 Kama cash, 800 000 Kama de ressources par personnage, plus des petites biloches. 500 millions d'XP ça régale. Et là attention, 800 millions d'XP, 14 minutes 803 millions d'XP. Dinguerie de fou en 9 tours, donc c'est quand même assez rapide pour un donjon dimension. Et encore là j'étais focus sur les tchats à mort, il fallait vraiment pas que je fail. Les succès on s'en fout. Les 800 millions d'XP, ça régale quand même. Tous les autres persos ont pris genre 3-4 level Omega. Et puis toujours la même rentabilité. La rentabilité ne bouge pas. Ensuite, j'avais un petit sub-goal. J'avais un petit sub-goal de taper un Nidas. Donc j'étais fracassé à Nidas. Bon, j'ai juste été le faire en B4 comme une petite salope. 16 minutes, 22 tours, 300 millions d'XP. J'ai fait des petits succès, ça régale. J'ai été refaire un Splinter Cell. Full bidoche, 451 millions d'XP. Double chal, c'était que à 64%. Ça, c'était juste une salle du donjon coriandre. 130 millions d'XP. J'avais été poser des percos, je les ai récoltés. Tu connais, je me suis régalé. Ça, on s'en fout. Et ça, c'est le récap de tout ce que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer là le récap de ma banque, du coup, de tout ce que j'ai fait en entre 7 et 10 heures de jeu, on va dire. Donc, en premier lieu, les ressources Mercator. Mercator. Me dites pas que c'est inutile. Picano, Picobot. Ultra utile. Bouclier du Captain Macna, ça un peu moins utile, mais ça j'en ai déjà vendu 10. Et encore là, le prix il est vraiment bas. J'ai déjà vendu les 10 à plus de 2 millions. 2 millions 3. J'ai screen la vente, il faudrait que je retrouve ça dans mes screens. Et si jamais, comme vraiment, si vous êtes sur Ombre ou sur n'importe quel serveur, si vos ressources en HDV ne se vendent pas, craftez des items, essayez de vendre des bons items. Et si ces bons items ne se vendent pas, tu craftes l'item et tu le concasses. Enfin, tu le brises, tu vends les runes. Les runes, ça se vend. Il y a toujours moyen de rentabiliser. Ne commencez pas à mettre une seule et même ressource en HDV et à vous dire « Ouais, je comprends pas, ça galère à se vendre. » Non, il faut que tu sois partout. Consommable, ressources, équipement, trophées, runes, tatati tatata. Et là, ça se vend. Ensuite, sang de harpo. Non, ça, c'est l'huile de picoleur. Ça, c'est un drop giga rare utile pour le bivalve. Picano, Picabot, classique. Dans le Chakarose, donc le mob uniquement disponible dans le donjon Hush. Ça m'a régalé. Ça pareil, tu vois, les items sont pas si ouf. Ça peut être utile, genre Matugaru, c'est cool, tu vois, pour du retrait PM. Mon Enu, c'est sûr, il avait une cape Matugaru, tu vois, à l'époque. Donc soit tu peux crafter, soit tu craftes un collier de Hush. Tu te brises, tu fais un focus PA, tu fais un focus machin. Tu craftes un katana, t'as un PM, bam, tu fais un focus PM. C'est sûr que c'est rentable. Il faut juste le faire et sortir un peu les doigts du cul. Bon, la poêle de chakre bleu, c'est l'eau de ressources rentable du donjon Hush. Ensuite, les cuirs du cuirboule que je vous ai dit au donjon Klim. Regarde. Anno Tami. On est sur Ombre, il y a la hype Teamcra. Tout le monde fait des Teamcra, tout le monde met des Anno Tami sur sa team. Tu veux un Peyo sur ton Helio, Dofeu, sur ta Nini, sur ce que tu veux, c'est trop bien. Cap Klim, le bonus panneau Klim a bien été up aussi. Je pense que même la Cap Klim, ça peut être maintenant jouable. Ici, passe de crabouilleur, donc c'est du Mercator. Ici, joyau Nidas, j'en ai plus à cause des succès. Là, 2100 viandes fraîches. Ça, c'est des viandes que j'ai droppées sur le Hush. Ça régale, tu vois. Ça, c'était une petite sauvegarde du donjon Bouarker. Donc pareil, j'ai été refaire le Bouarker. Je vais avoir la capture à refaire. Ça, les ongles de Bouarker, c'est réellement 300 000 kamanité. Et ça se vend comme du pain. C'est utile pour beaucoup, beaucoup trop de craft. Amulette Nilesa, déjà rien que ça, c'est le banger.
Amulette Strigide, Amulette Sinistre au Fou, Anneau Alistair, Anneau Glacial, Anneau Pas de Greffe, Arc Corrompu, Bot Cycloïde. Le bonus panneau cycloïde maintenant est vraiment sympathique pour du stuff multi-élément avec pas mal de portée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bracelet du Pilostère, ça se vend comme du pain. Cap de Klim, pourquoi pas. Casque qui pique, ça je l'ai sur tous mes persos Red PM, c'est le classique. Ceinture de brousse, vraiment si vous avez... coiffe séculaire. S'il y a un donjon un peu relou à farm, mais en termes de rentabilité, tu seras sûr que ça se vende. Que ça se vend. Et que ça se vend très bien. Tu formes le donjon worker. Après, tu connais, il y a les Bwarkfeu qui pètent les couilles, ils red payent en zone, tatati, ça tape fort. Mais franchement, ça met bien. J'ai été farmé le Fuji aussi. Enfin, la Fuji, autant pour moi, Tengu et Fuji. 112 incisifs de Camille Givrefuchs. Utile pour pareil. Blindé de petites panneaux à droite à gauche. Coiffe Tengu, c'est un banger. Ici, c'est encore du crabouilleur. Ça, on s'en fout. Ça, c'est le coriandre. Donc, tatata, autant pour moi. Qu'est-ce qu'on peut crafter avec sa amulette Héroclite, amulette d'Andator, banger de fou, d'Agassand, pourquoi pas, et Pekari, pourquoi pas. Pas des dingueries, mais ça se vend. Oreille de Chargus, c'est le même. C'est Hush, Mercator, on s'en fout. Là, on a du Klim. On a farmé un peu de zone des Kefliplus 200. On a farmé quoi? Il y a de l'Opsy aussi. On a fait, j'ai fait Royal Moot, j'ai fait Mansade Royal, j'ai fait Opsy. Parce que j'avais des percos, puis en même temps j'en ai profité pour faire un ou deux petits succès à droite à gauche. Et voilà à peu près tout ce que ça donne. Vraiment, on s'est régalé. Pour certains, ça paraît impossible de faire 140 millions sur Ombre. Enfin, ça paraît impossible de faire 140 millions en moins d'une journée sur Dofus. Mais en vrai, ça se fait tranquillement. Surtout sur Ombre. Et puis voilà. Je pense qu'on est bien pour la petite vidéo. Si ça vous a plu, les refs, petit like, petit commentaire, petit abonnement. Et du coup, attendez, parce que j'ai même pas regardé. On est passé de... Après, j'avais encore continué de PEX après ça. Je pense qu'on était 174. Ouais, je m'en suis arrêté à 174. Donc, on était Omega 131. On est passé Omega 174. Si quelqu'un dans les commentaires sait me faire le calcul, c'est combien d'XP? Peut-être le premier qui me met le commentaire exactement de c'est combien d'XP. J'irai vérifier. Une petite récompense. Petit collège, vous régale, c'est bientôt Noël. D'ailleurs, je sais pas quand sort cette vidéo. Peut-être demain, je l'espère. Si cette vidéo sort avant... Enfin, sort le 20. Le 20 à 18h, il y a un Ankama live sur Dofus Unity. Ça va être une dinguerie, je vais react ça. Essayez d'être présent. Comme d'habitude, les refs, Stellas Bowler, petit like, petit commentaire. Ça régale. A plus tout le monde.